Yo les gens, c 91 hd J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une petite vidéo FIFA 20 pour ceux qui suivent les différents réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu euh, des images tournées, mais ça y est, il est à balancer les nouvelles icônes de FIFA 20. Il en manque une apparemment. Kaka n'a pas été annoncé encore, mais ils ont dit qu'il y aurait peut-être encore une icône annoncée. On a vu que Kaka était présent dans certains menus lors de la Gamescom. Du coup, on s'attend à ce que euh, l'icône manquante, si il doit y en avoir une, sera ce bon vieux Ricardo Kaka. Donc, on peut voir au niveau des icônes annoncées, on a donc ce bon vieux Zinedine Zidane, qui était forcément l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus attendu depuis la mise en place des icônes sur FIFA. Pirlo. Drogba, Wright, Coman, Carlos Alberto, Garincha, Michael Essien, Zambrota, Barnes, Rush, Sanchez, Guardiola et Dalglish. Du coup, euh, ça nous fait quand même euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 nouvelles icônes en plus des anciennes, donc ça nous fait quand même un, un sacré paquet, donc toutes les anciennes sont ici, alors j'ai pas bien regardé si euh, il nous en manque quelques-unes ou pas, mais euh, je vous laisserai le faire, là c'est vrai que pour le coup on va quand même essayer d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire les nouvelles icônes, mais ça commence à faire quand même une sacrée liste d'icônes. Pour FIFA, donc plus de chances d'en paquer. Du moins, on l'espère. Même si c'est vrai que l'année dernière, je n'en ai pas paqué. Les années précédentes, j'ai toujours réussi à en gratter une, mais euh, pas sur ce FIFA 19. Ça a vraiment été une année noire pour moi, FIFA 19. Donc Zinedine Zidane, forcément, le plus attendu. On peut donc voir ces trois versions. On aura donc une icône Prime Moment aussi annoncée. Donc euh, voilà, encore une fois, on va avoir quatre versions pour chaque icône. Une version à 91 de général, donc la version la plus, la plus petite, la version à 94 et la version à 96. Donc on peut voir que le, la vitesse de Zidane a pas mal été gonflée. Euh, je pensais qu'il le mettrait un petit peu plus loin. C'est vrai que Zidane, ça n'a jamais été un joueur non plus très rapide. Hein. Enfin, c'était très rapide dans l'exécution des dribbles, etc. Mais c'était pas un joueur qui cavalait. Après, c'est vrai que pour le rendre vraiment ultra bouillant, ultra cheaté dans un FIFA, il faut lui mettre de la vitesse. Et là, c'est le cas. Donc, ils l'ont quand même pas mal gonflé, frappe, passe, physique. Même défensivement, le mec a les stats. C'est-à-dire que sa pire stat défensive sur une de ses cartes, c'est 72 en défense sur la carte à 94. Le mec est limite Gully gang Gang. C'est limite le, Z, le Zizou Gang maintenant. Et c'est vrai que bah... Hâte, hâte de l'avoir. Et très clairement, euh, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'achat revente. Mais euh, j'ai pas envie de mettre euh, des blindes dans FIFA, j'ai pas envie de paquer énormément. Enfin, on verra euh, financièrement comment ça se passe, mais euh, c'est vrai que euh, j'ai bien envie de me mettre à l'achat en vente cette année, j'ai bien envie de me mettre un objectif, celui d'avoir Zinedine Zidane, de faire un, un petit objectif AR. Et ça pourrait être sympathique à suivre, d'ailleurs, peut-être pas le faire en vidéo, parce que c'est vrai que euh, faire de l'achat en vente en vidéo, pour le coup, je sais vraiment pas comment tourner ça, mais. Euh, pourquoi pas faire un petit truc road to Zidane euh, au niveau de la R On verra, c'est à l'étude. Considéré comme l'un des gens les plus talentueux de tous les temps, Zidane affichait un tel bagage technique que tout lui semblait facile. Ses performances au plus haut niveau, dont ses deux buts en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 98 et sa célèbre reprise de volet en finale de l'UFA Ligue des Champions en 2002, ont fait de Zizou une légende en France et au Real Madrid. Donc du coup, ça c'est les cartes. Z... C'est la carte de Zinedine Zidane. On peut apercevoir la carte de Didier Drogba. Donc euh, Drogba pareil, hein, qui qui a l'air d'envoyer, donc vous avez des petits, euh, des petits paragraphes qui, qui correspondent aux joueurs, donc n'hésitez pas à les lire, je ne veux pas tous les lire, mais on peut voir que Drogba aussi, c'est pas mal, hein, c'est rapide sa grosse qualité de frappe et c'est vraiment très physique. J'espère que techniquement, il aura au moins les 4 étoiles gestes techniques pour faire la Drogba parce que bah il a quand même euh, limite son son propre son propre geste à lui et du coup euh, bah c'est pour cette raison que j'espère qu'il aura les 4 étoiles gestes techniques mais je vois il a pas une note trop tendrible dribble et ça ça m'inquiète. Je je sais pas s'il vont il va pas être très agile ou autre mais euh, je pense que Pogba mériterait peut-être un petit peu plus en dribble. André Pirlo bah forcément, Pirlo, tu t'attends à ce que la qualité de passe soit au rendez-vous et là c'est le cas. 95, 93, 91, joueur plutôt lent même si je trouve qu'ils l'ont gonflé au niveau de, de sa vitesse lui aussi. C'est vrai qu'il me semble dans les anciens FIFA il était beaucoup plus lent que ça. Euh, donc peut-être pour le rendre un peu utilisable. Après c'est vrai que bon ça sera pas forcément les joueurs les, les plus utilisables hein, parce que je pense qu'au niveau de la stat en force ça risque d'être relativement faible côté Pirlo. Mais euh, à voir, à voir quand même dans le jeu. Ronald Koman, un défenseur qui a des statistiques très très complètes pour le coup. Euh, sa carte 91 est vraiment très intéressante. La carte à 88 aussi euh, les 67 de vitesse pour la carte à 85. Je pense qu'elle sera pas trop chère. Elle sera sûrement accessible celle-ci. Après, voilà, 86 en défense. Le 82 en, en physique reste un petit peu léger. La carte à 91 reste je pense la meilleure. De toute façon c'est logique, c'est la meilleure en général. Mais voilà, t'as as quand même un bon équilibre. Et pour le coup on a un défenseur qui tape. Hein, tu vois 88 en tir, 89 en passe. Euh, le mec limite, euh, tu sais qu'il peut y aller. Il peut y aller. Il peut, tu peux même le faire jouer au milieu de terrain dans certaines situations. Pourquoi pas euh, si tu décides de... Euh... De changer un petit peu ça. Les fameuses légendes anglaises de première ligue. Hein, bon voilà, Wright, c'est vrai que euh, c'est lui. C'était lui avant, avant Thierry Henry, avant le record d'Arsenal, c'était ce bon vieux Ian Wright. Euh, il n'a pas non plus des statistiques trop exceptionnelles. Ça va surtout être un joueur qui va courir, je pense. Je ne pense pas qu'il aura les quatre. Ce sera, je pense, les, les joueurs anglais habituels. quoi. C'est de l'icône rapide. Un peu physique, grosse frappe de balle, mais euh, très pauvre techniquement. Un latéral droit, un latéral droit, Carlos Alberto, c'est vrai que on, je trouve que ça manque un petit peu au niveau des, des latéraux, surtout côté droit. Euh, donc on a Carlos Alberto, la première version à 87 est en défense centrale. Et ensuite, c'est sur le côté droit. Faudra voir combien la détoile geste technique. il a d'étoiles gestes techniques. S'il peut avoir 4 ou 5, ça pourrait être limite très intéressant. Mais je vois qu'il est quand même énormément gonflé au niveau, des, au niveau de la vitesse, surtout sur sa carte à 93, 86 de dribble. J'ai dit la vitesse, mais c'est plutôt les dribbles hein, dont, dont je voulais parler. Mais euh, et puis il faudra voir sa taille aussi. Parce que pour le coup, euh, même sa carte en défense centrale est intéressante. Il faut voir la taille. Ça peut être une sorte de Militao, euh, comme on a pu avoir euh, cette année sur, euh, sur FIFA 19. Donc, euh, joueur à surveiller lui aussi. Du coup, j'ai réussi à trouver les icônes manquantes sur le net. Parce que tu peux facilement les trouver sur certains comptes Twitter, etc. On a donc Guardiola aussi, milieu récupérateur, qui a quand même de très belles cartes. Lui aussi, c'est des statistiques vraiment très complètes. Très bon en qualité de passe. On va dire que c'est une sorte de bousquette, je pense, mais en beaucoup plus rapide. Donc, euh, faudra voir, euh, voir in-game ce que ça donne. Mais je ne m'attendais pas à ce que Guardiola ait des statistiques aussi, euh, aussi intéressantes pour le coup. On a Garincha. Euh, et les droits, donc là pour le coup c'est il n'y a pas de changement de poste ou autre, c'est vraiment que de l'ailier droit euh, 90-92 et 94, 96 en drip, 93 en drip, 94 en drip sur les différentes versions. Lui je pense que ça va être du 5 étoiles. Lui très clairement c'est du technicien, ça va être du 5 étoiles geste technique, c'est quasi sûr. S'il n'y a pas 5 étoiles, ça sera 4 Mais je pense qu'on aura un petit 5 étoiles geste technique du côté de, de ce bon vieux De ce bon vieux Garincha après, Mickaël Essien, alors lui, c'est absolument du grand n'importe quoi. La carte 85 et la carte 90 sont juste monstrueuses. Euh, la carte 90, moi personnellement, je la trouve waouh. Wow, wow. 85 de vitesse, 90 en défense, 90 en physique, 82 en drive, 76 en tir, 81 en passe. Quasiment Gully Gang lui aussi. Euh, ouais, ça risque, ça risque d'envoyer. Ça risque vraiment d'envoyer Michael Essien, je pense, qui va faire très, 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 très mal. Et euh, c'était prévisible, hein, c'était vraiment prévisible que, que Essien soit, soit aussi complet, voire même abusé. Et euh, c'est tant mieux, c'est tant mieux d'avoir un, un milieu récupérateur comme ça. En plus, Yann Rush, buteur gallois, 83 de vitesse pour la carte à 89, 86, 86, 92 en tir sur sa carte à 91. Ouais, je pense que voilà, ça va être un peu style. Euh, ouais, ça va être sur les icônes qu'on a l'habitude d'avoir, hein, comme la plupart des icônes anglaises, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure avec Yann euh, White. Ça va être dans ce style-là, quoi. Ça va être du joueur rapide, grosse frappe, mais pas forcément très technique. Je le vois, vois pas qu à quatre étoiles gestes techniques, personnellement. Après, je peux me tromper parce que c'est vrai qu'il a quand même des statistiques en dribble assez élevées pour le coup. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il aura les 4 Barnes. Euh, donc on a deux versions sur l'aile gauche et. Une version en tant que milieu récupérateur, alors lucie si je dis pas de bêtises il me semble c'est une légende de Liverpool mais je connais pas vraiment le joueur donc je vais pas forcément me prononcer et en parler euh, mais c'est un joueur qui a l'air d'être très rapide sur ces deux cartes qui se trouvent sur le côté, euh, il est assez équilibré, il est assez physique aussi, ça a l'air d'être un bon tank. Euh, la carte à 89 est très intéressante pour le coup. 90, 87, 85, 85, 91. Ouais, c'est un, un bon buff. A voir s'il aura les 4 étoiles de gestes techniques. Je ne connais pas le joueur, donc je ne sais vraiment pas si c'est un joueur technique. Par le passé, Zambrota enfin un autre arrière droit qui en plus de ça a une carte à gauche. C'est-à-dire qu'il a sa première carte à 86 sur le côté droit. 87. Sur le côté gauche, donc du coup, tu peux mixer. Genre, si jamais tu dis, ah tiens, euh, j'ai besoin d'un mec à gauche, un italien, une icône. Allez hop, tu peux prendre Zombrota. En plus de ça, pour le coup, ces statistiques sont vraiment très complètes. Hein. C'est vrai que... Bon, les cartes à la carte à droite à 89 est beaucoup plus belle. Même si la carte, même la première, hein, la 86 de général, je la trouve vraiment très sympathique. La carte à 87 sur le côté gauche et elle aussi très belle pour le coup. C'est assez équilibré, je trouve, et ça fait plaisir d'avoir un, un joueur comme ça qui pourra jouer évoluer côté gauche ou côté droit. Il me semble que Zanetti est un peu dans ce style-là. Je crois que Zanetti a une carte à gauche aussi, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, Delglish, Dalglish, euh, voilà, pareil, 90, 87, 92. Ça va être, ça va être rapide. Ça va avoir une grosse frappe de balle. Est-ce que lui aussi aura les 4 Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais euh, des, statistiques qui font, des statistiques qui font plaisir. Après, ce n'est pas forcément moi les joueurs que j'attends pour le coup. Hein, voilà, je ne vais pas vous mentir. Moi, c'est plus Michael Essien, Drogba, Zinedine, Zidane. Voire même Kaka, s'il si l'annonce un peu plus tard. Euh, c'est plus ces gens-là, moi, qui m'intéressent. Les, les icônes vraiment propres à la Première Ligue. Je m'en fiche un peu. Après, si j'en pas qu'une et que le joueur est bon, on ne va pas se plaindre. Hein, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas cracher dessus si jamais j'en paque un et que, on, on, peut, on peut se permettre de faire des crédits ou même de gagner des matchs grâce à lui. Mais pour le coup, ce n'est pas forcément ces icônes-là que j'attends personnellement. À part la carte de Sanchez, euh, le joueur mexicain, on a toutes les cartes actuellement disponibles. La carte de Sanchez, je ne sais pas si elle est déjà dispo. J'ai regardé vite fait, je ne l'ai pas trouvée. Après, si vous l'avez, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à dire les statistiques de ce joueur. C'était donc FatMat411HD pour une présentation des icônes FIFA 20. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo de tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous. Ciao.